auto tamponneuse de la même couleur. Ouais, les auto tamponneuses de la même couleur peuvent être fusionnées. Continuez. Rappelez-vous qu'elles doivent être des auto tamponneuses de la même couleur. Les abeilles attaquent les intrus pour se protéger. Ne restez pas dans un endroit où il y a des abeilles. Si vous avez été piqué par une abeille, retirez d'abord le dard avec une pince à épiler. Surtout, n'écrasez pas le dard de l'abeille. De l'eau savonneuse ensemble, l'eau savonneuse alcaline peut neutraliser le poison acide dans la plaie. Mettez un sac de glace sur la plaie pour réduire l'enflure et soulager la douleur. Vous avez des nausées et des vomissements après avoir été piqué par une abeille. Veuillez vous rendre immédiatement à l'hôpital pour recevoir un traitement. D'accord, merci gardien. Je vous en prie. Est-il bon de consulter un médecin immédiatement après avoir été piqué par une abeille? Vous avez raison. C'est la bonne chose à faire. Vous êtes géniaux! Félicitations! Vous avez gagné un badge! Est-il bon ou mauvais de tapoter une ruche pour s'amuser? Vous avez raison! Cela n'est pas correct! Vous êtes super! Félicitations! Vous avez gagné un badge! Est-il bon de faire partir les abeilles qui se posent sur le corps avec la main? Vous avez raison! Cela n'est pas correct! Est-il bon d'utiliser de l'eau savonneuse pour nettoyer la plaie après une piqûre d'abeille? Vous avez raison. C'est
choses à faire. Vous êtes géniaux. Félicitations, vous avez gagné un badge. Est-il bon de rester loin des abeilles? Vous avez raison. C'est la bonne chose à faire. Vous êtes super. Félicitations, vous avez gagné un badge. Est-il bon de ne pas dire que vous avez été piqué par une abeille à l'enseignant du jardin d'enfants? Vous avez raison. Cela n'est pas correct. Vous êtes géniaux. Félicitations, vous avez gagné un badge. Thank you.